du prix pour un nouveau groupe à la mode, Splatch. Salam. Salam. Le refrain est facile. Salam. Il y a un côté très urgent dans Chasse, face au le début de Chasse. On faisait 4 morceaux par jour. Mais... Après, oui, ça peut rester aussi spontané dans la création. C'est-à-dire que des fois, il y a des... Par exemple, au niveau de l'écriture, on a une musique, on se dit, bah tiens, faut écrire un texte, je sais pas, sur les machines à laver. Et puis, on fait ça pendant que notre beatmaker fait sa musique. Et puis, nous, on écrit pendant ce temps. Et par contre, c'est après où... On essaie quand même de bien poser les textes, de peaufiner tout ça, donc on y passe plus de temps. Au départ, nos premiers morceaux, on écrivait, on posait, on retouchait pas, quoi, c'était fait. Et puis il y avait une espèce de frénésie de production comme ça. Genre, je crois qu'en une semaine, on s'était fait 13 morceaux, tu étais malade. Ça c'était, je l'ai vu, c'est l'esthétique quoi, c'est Chasse quoi, ça pouvait pas être autre chose. C'est le kitsch et c'est, comment dire, c'est le mauvais, c'est à l'extrême. Ça rappelle plus les graphistes des années 80, des collectifs comme Le Dernier Cri qui viennent dans les années 80-90. Voilà, ça c'est un peu mes idoles. Pour cette expo, je suis arrivé avec des papiers que j'avais préparés. Et puis, en prévoyant de faire des choses sur place, mais sachant pas trop ce qui allait se passer. Et puis voilà, on m'a proposé du papier peint, j'ai dit ok, on propose des tableaux récupérés dans les brocantes, ça me plaît beaucoup. Le papier peint, c'est romantique. Pour dessiner des trucs qui rappellent un peu la mort, c'est parfait. Bon, en fait, moi je suis classique. Hein. J'ai fait Adam et Ève, je fais que des scènes relativement classiques. Quero ver as garotas a gritar. Quero ver as bundas a bater palmas. Quero ver o cozinho. Quero ver o traseiro a mexer. Yeah!